Je parle sur tout dossier, surtout dans la police là déjà. Nous faisons en pile démarche, nous parler dans la presse. Nous en pile fois, nous même rivé, nous j'en a fait là, nous quand même dit nous plaignons. Mais personne monde pas décidé rien, tout monde a occupé à faire. Institution la police là, yo di a son institution côté en pile monde, un petit groupe qui soit dans plus haut niveau dans l'état utiliser la police là comme on va chaler. La police là, li pa li vini on côté de trois grands monde vini comme dirigeant, yo fait comme yo fait mignon yo. Pendant ce temps policier yo était dans situation yo ya, la police a pas progressé parce que la preuve en est bien grande. Je dis à la police a toujours pas de matériel, la police a toujours pas de moyens, la police a toujours policier toujours a souffri. Policier toujours a touché, je dis à $168 américains pour un bon mois. La police toujours je dis à moins que $100 dans mes pour manger. Yo pas joindre de manière régulière. Ça veut dire que corruption c'est poison pour tout pays, pour surtout pour institution policière là. Le fait que je dis à nos institutions que les USCC capa nous coûte, nous content et nous prenons dans SPNH en tant que policier honnête. Nous lançons bataille contre corruption en SPNH. N'a pas dit au commandement qui là c'est pas c'est le dossier cap enquêté yo qui prend enquêté yo, c'est pas lui pas concerné lui-même seulement. 10 années dans la police là, 10 dernières années yo, faut qu'on fouille, j'ai regardé et n'a pas l'autre dossier n'a pas déposé et la semaine qui a venu dans et coup de compte pour demander audit sur la police là parce que il y a pile bagaille qui est important pour nous connaître parce que il y a trop monde dans la police là qui passait qui millionnaire dans ce temps la police arrêté gens liés là. L'important pour que gagne jeune garçon gagne jeune femme même gens avec SPNH qui prend responsabilité tout côté pour Haïti bon chance. Dossier on va le déposer lui pour regarder ensemble de dossiers ensemble de cas de corruption ensemble de situations dans la police là que nous mêmes qui policiers depuis plus que 19 ans qui pas clair pour nous. L'important pour enquête faite parce que nous pas jamais comprendre pour qui ça la police ça pas amener audit qui fait sur lui. L'important pour que la police ta tout corrompu qui en dans au moins moment arrivé pour quitter et nous avons l'autre dossier pour que nous mêmes nous pas chita discuter avec les Nations Unies qui en Haïti pour nous dire et causer et vertine. Nous besoin vertine mais faut que c'est pas corrompu qu'a fait vertine sur policier. Faut que c'est on commission d'experts parce que nous y a haïtien qui crédit basé un pays là lui même il a gagné expert étranger là dans tout mais nous même nous focus sur haïtien pour que nous une commission d'experts indépendant pour faire vertine sur la police là. Si c'est 1000 policiers crédit, si c'est 2000, si c'est 3000, sous 3000 ça la constitution l'autre force de police qui crédible qui capable de servir la nation hein? Parce que je dis à nous pas comprendre pour qui ça la police a comme ça pendant ce temps pile l'argent a dépensé la presse voit aide combien millions nous pas jamais ça régler joujoune je dis à chaque policier pas un kit matériel de protection joujoune je dis à policier dans commissariat c'est un pack on de carrelel et côté regarder bête. Pendant ce temps, nous avons pile million qui a dépensé. Nous avons un paquet de blindés qui sont un paquet de faux blindés. Nous n'avons pas de hélicoptères. Pendant ce temps, nous avons un corps qui a dépensé par le passé. Nous avons un bon corps qui a débloqué. Nous avons un haut international, un bon pays qui dit qu'il y a un corps pour la police. Là. Nous n'avons pas de régler. Juste une fois, dis à ces policiers qui ont fait uniforme et crème bleue surtout, qui ont fait uniforme pour mettre sur eux. Ces policiers qui ont acheté un vieux soulier, un vieux boîte. Nous ne comprenons pas, et SPNH et lui, je dis, nous avons une dynamique côté, nous lançons un combat contre la corruption dans la police. Là. Et le moment arrivé, et pour que les gens qui fait parce que la police est trop importante pour nous quitter le casé, et nous avons un plus gros problème la police et la corruption. Et c'est la corruption qui fait que les gens sont capables de venir dans la police là, ou bien en forme, sous base contact li, politique, li, li décide de faire salver. Personne moun pa di rien pas la justice pour yo pas gen sanction pour yo d'ailleurs une bonne inspection générale depuis quelque temps c'est agent seulement quelques agents qui pas gen gros contact li rive sanctionné
gros man gros chef qui gagne grossier qui gagne gros grossier gros scandale passé gagne bagarre qui passé pas jamais une enquête qui bail. Et bien jodi a n'a dit la société a n'a dit population haïtienne non ça yo qui à l'étranger tout côté SPNH bon groupe jeune garçon et une femme qui décide lancer bataille corruption dans la police là quel que soit ça arrivé nation a prétendu que nous tous pas d'accord avec la corruption. Nous tous pas d'accord avec la police qui est allée aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que nous regardons, des genoux, mettons vest sous lit, là, le Kenya, là, il représente la police nationale, sans nous pas avoir uniforme sous lit. Nous disons que c'est la police nationale la représente. Mais, comme résultat, en février, 300 agents, mes amis, 300 policiers, Kenya a bien en Haïti. C'est comme si c'est ça qui va venir sauver nous. Pendant ce temps, nous avons des milliers de jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays là, qui demandent bon moyen de payer la sécurité. En vérité, si nous avons moyen demain, si Dieu veut, si nous avons moyen demain, si Dieu veut, peuple va venir sécurité. Nos policiers qui n'ont pas de matériel de protection, quand ils ont les green cartouches pour l'opération, on blindé qui pas opérationnel. Nous pas gagné hélicoptère. Policier a les gangou. Policier a l'a touché $168 chaque mois. Famille en misère. En pile là dedans c'est comme une minorité. Je dis à comment on demande aux policiers comme ça pour le bail résultat. Nous parlons bail policier au moyen pendant ce temps. Nous attendons, nous pas négocier pour que quelques grains policiers soient dans pays étranger comme si c'est des anges qui sont dans le ciel qui viennent délivrer nous. Pendant ce temps nous gagne force là. Nous avons un bon jeune garçon, une femme qui est prêt pour travailler là, qui est prêt pour faire, nous parlons de faire. Mm-hmm. Est-ce que l'argent est plus important que le pays a, nous-mêmes, dans le SPNH, nous pensons que l'institution peut sauver et qu'il y a des sacrifices qui sont faits. Et nous avons dit, autorité ici, pas continuer à bailler et essayer de bailler mon SPNH pression. Nous avons mouru si bon Dieu veut. Pas de gens qui n'ont pas passé encore. Et nous prêts, nous disons, nous défendons l'institution, nous défendons le pays. Nous ne pas descendre l'individu. Nous devons être gangou. Nous devons manger patates, mais nous devons être fiers. Nous ne pouvons pas négocier sous 100 policiers. Nous ne pouvons pas négocier. Nous ne pouvons pas négocier. Nous ne pouvons pas faire silence. Pendant ce temps, il y a l'argent pour aider les policiers à vivre bien, pour travailler la fête. Pas de volonté. Comme ça, on pile fois budget, nous ne savons pas comment le dépenser. Mm-hmm. Mais nous avons quantité d'argent dans le budget. Et mm-hmm. puis je dis, il y a des gens qui pensent qu'ils ont utilisé la position pour bailler l'argent policier, membre SPNH, pression. Gary Jean-Baptiste. Oui, Gary. Mm-hmm. Bataille contre la corruption, on l'a lancé, je dis, et le dossier. Après, il y a un ISSC, il y a un coup de compte, et il y a un autre dossier. Qui a venu parce que je dis, nous devons qu'on souffre, Haïti doit qu'on souffre, les policiers ne peuvent pas continuer à mourir, à courir, les policiers ne peuvent pas obliger à partir, je dis, nous avons plusieurs centaines de policiers qui bloquent, nous parlons de remplir là-dedans, qui bloquent au niveau Mexique, dans courir, mais je dis, nous bloquons au niveau Mexique parce que nous pensons qu'on est arrivé aux États-Unis, bah, il a bloqué sur eux. C'est qui a s'y mettre dans ça? Mm-hmm. Dirigeant pays. Gary, pas d'avoir parlé de dossier ça, m'apprendre gagner des policiers qui ont même appelé le fait que gagner prime des risques, si me pas trompé, que ont gagné, ont été en travail pour lui et que pas voulu remettre sur lui pendant que pas dans pays. Une question comme ça, pas rappeler trop pour dossier. Oui, mm-hmm. Oui, Gary, c'est confirmé parce que Fanou dit nous je dis SPNH lui même pas occupé l'affaire de l'autre bagarre que de policiers. Que des institutions. Mm-hmm. Policiers qui n'ont pas polyfont, il y a 9 là-dedans. Il y a 9 chèques à 81 000 gouttes. Non, mais responsable polyfont là. Policiers, ça a été quand on travaille pour quoi là. C'est vrai, on va dans le pays, mais c'est un arrière de doué. Comme ça, devine, je n'y a 9 fois 81 000 gouttes. Ça, il ne peut pas dans la poche. Trop corruption en dedans, la police là. Trop sac de revine, je n'y a la police là. Il vient jouer, il était dans la poche, il casse maintenant poche, on s'est de nègres ici. Il n'est pas normal. Arrière, policier, pas dans la police encore, il quitte la police, c'est vrai, en bonne du forme. Mais comme là, il travaille pour lui déjà. Famille, s'il va au monde à brancher la pour lui de Balil, il n'y a pas aucun prétexte pour lui dire pas Balil. Et là, il n'y a pas Balil, il n'y a pas l'autre côté de la lèvre, il n'y a pas tout le monde en finance.
nous dénonçons. Policiers qui n'ont polifont, ils ont en contact avec nous, ils disent nous, mais comment la situation est. Nous disons, monsieur, font effort. Nous faisons trois policiers qui sont pays. Nous faisons des policiers qui souterrent pas envie de travail. Parce que les policiers, nous pas régler affaire. Nous claguer, nous abandonner, nous pas voulons pas au moyen. Pendant que nous policiers étrangers qui pouvaient faire job. Menti par aucun policier, par aucun pays étranger qui a faire sécurité en Haïti. C'est Haïti pour faire Haïti sécurité. Et nous-mêmes, dans SPNH, nous disons, quel que soit sac venu, force venu ou force pas venu, nous continuons à exiger et nous allons dire autorité. Les forces sont venues, nous allons payer chaque policier ça. 5-6 000 dollars. Policiers, eux-mêmes, ils ont croisé les bras, ils vont continuer à toucher 168 dollars. Non, mais eh bien, nous tous disons ça à travers la carrière. N'a pas exigé, parce que trop longtemps, nous étions recroisés, nous pas exigé rien. Nous-mêmes, nous disons, tous les policiers connaissent ça déjà. Nous pas exigé, nous pas demandé encore, nous pas exigé, bah, nous ça pour nous travailler pour la population, parce que en pile, nous voulons être dans le pays, nous. En pile, nous voulons servir le pays, nous. Je ne comprends pas pourquoi ça. Je ne comprends pas une garçon, une femme qui veut travailler, je ne veux pas avoir les moyens, et puis qui prête attention à faire pour venir avec force. Parce qu'elle vient faire qui ça rien. Nous tous connaissons pas vient faire rien, pas vient faire rien. Police nationale là, il est disponible. Et si on a besoin de renfort, il y a une quantité de garçons qui dans l'armée là. Nous avons une chance de travailler avec un embryon qui était sur l'équateur, qui était sous frontière à un moment de la durée. Quelques moments après, ils ont retiré. Mais nous connaissons les jeunes garçons qui étaient formés, qui prennent des formations, qui sont capables de servir le pays. D'accord. La police, avec SPNH, li en mode combat contre corruption, nation doit prendre note. Merci Gary. Pays a doit prendre note, institution police là, nous doit prendre note que bagaille là doit changer parce que institution li subit trop. Faut li libérer en bas 40 clous cap soucé qui pas gain aucun nom dans pays, aucune attache. Toute famille à l'étranger, y a fait comme sous d'argent pour changer en Amérique envoyer bail famille. Policiers souterrains, eux-mêmes, ils ont souffert, ils n'ont pas qu'à manger, ils n'ont pas un côté pour y arrêter. Un policier fait 20 ans dans la police, il n'a pas qu'à faire un chambre. Mais merci, Gary. C'est pas possible. D'accord. Et le dernier bagage, on a dit, Gary, merci. Dernier, une minute pour nous dire, dossier Benito Jean-Louis, nous connaissons, c'est un policier qui prend balle dans la bataille contre une gang. Nous faisons presque, il fait 26 mois, il a souffert. Le dernier moment, nous parlons sous Caraïbes, sous dossier. Au Fatma, les policiers ont besoin de 250 000 pesos, 4 300 dollars américains environ. Au Fatma, les policiers ont 250 000 gouttes qui évaluent à 100 à 1800 dollars américains, qui n'ont pas utile les policiers, qui n'ont pas aidé les policiers pour faire l'opération. Ça veut dire que la police, l'État, n'a pas payé les policiers à 4 300 dollars. 4 300 dollars, trop gros pour les policiers. Nous avons parlé ça avec une responsable dans le commandement pour nous dire. Faire en sorte que les policiers aient une escope là pour la faire opération. Ils pas qu'à quitter le mourir. Nous pas qu'à quitter le mourir, mes amis. Pour Haïti, le taboumé. C'est pour Haïti, le taboumé. Nous pas qu'à quitter le mourir. Pour Pierre, vient faire cancer pour le mourir. Bah, les 4 300 dollars, mes amis. 1 800 dollars, pas qu'à suffire pour aller parce qu'il n'y a pas rien. Il fait des prêts. Il y a un prêt dans ONA. Il y a un prêt dans BNC. Il y a 2 000 gouttes sous chaque ligne. Nous tous comme ça. Mais sans pile. C'est triste parce que là ça est aussi arrivé. Pour nous, les ministres policiers passer. Les responsables ne peuvent pas faire rien. Ils attendent nous faire voir le dossier à vous. Il y a Réginal dans le Grand Danse. Vous devez voir le dossier ça, guerrier. Il y a Réginal. Si vous entendez, vous respectez la divisionnaire, ils tirent. Depuis 2000, vous l'avez souffert, oui. Plusieurs directeurs départementaux passent dans le Grand Danse. Directeurs départementaux, ça y est. Pas jamais faire pour arriver à Port-au-Prince. Parce que c'est le Daniel Laurent. C'est un tout puissant, oui, je dis, non, grandesse. Juste une je dis à policier à terre, oui. Policier a souffert, oui. Pas que sanction, pas de non. Est-ce que c'est la police à nous voulons? Non, nous pas de la police à espérer, elle dit non. Non. D'accord. Pas pour la police, pour la justice. Merci Gary, merci un peu Gary, Jean-Baptiste, porte-parole, SPNH 17. Merci, voilà, bon la journée. Oui, ben nous, Albaï, deux minutes avec Lionel Lazare, tant qu'on a annoncé le
tout à l'heure qui lui-même t'apprend parler nous de situation employé civil PNH là qui lui-même gagne 20 22 23 et même 24 mois depuis yo a travail qui beaucoup touché donc tout à l'heure docteur oui donc n'a pas parler avec Lionel Lazare Koulia qui lui-même te souhaité font il parler puisque mois décembre ça c'est pas fini là et jusqu'à présent ministère finance poko payer employé Sayo Lazare bonjour bonjour guerrier bonjour tout auditeur auditrice radio Caraïbe et m'a salué John côté Liam je le bon rétablissement et m'a salué toute policier qui a écouté moi dans le pays là que tout monde balance là caï moi en fait intervention moi matin hein. Alors n'a lançon SOS tout pour Grandier parce que nous connaissons dans quelle situation que commune Grandier trouvé lié surtout dans centre-ville là côté que monsieur 400 Barozo envahit zone ça et moi crois que direction générale la police a dû prendre toutes mesures pour garder comment on est capable de protéger et zone ça parce que gens pile monde dit là c'est toutefois que zone ça bloquée ou pas ca lecture ou pas ca balance ou pas calme ou pas ca pièce côté dans zone ça en fait intervention matin hein, c'est pour nous lancer un cri by autorité au dans l'état surtout pour ministre Ariel Henry avec ministre finance là nous estimons que au niveau Sinapoa yo fait mon yo a travail yo pas jambe ça sont plus gros méchanceté que mon yo capable vivre et des monde qui gagnent près de 2 ans à travail mais ou pas parti sous 3 ans là que yo pas jambe payé yo pendant ce temps des budgets qui fait chaque année pour pays. Et mon yo plein en pile pour ça. On croit que mes amis, si n'a diriger pays, il faut que nous diriger le bien. Nous trago équipe moun que nous nommer et gen moun qui nommé depuis sous ancien DG Léon Charles jusqu'à présent pour que j'aime cap toucher et gen l'autre moun tout qui nommé et sous monsieur LB jusqu'à présent pas capable j'aime toucher et jusqu'à présent moun ça va pas son misère. Moun sa wal travail, yo gen petit, yo gen madame, yo gen occupation pa yo tout, yo gen pour ta faire bon. Qui ça on moun qui gen on garçon qui gen deux ans travail dans l'institution, décembre rivé, li pa ka di madame ni mais comme pour préparer petit li, mais comme pour préparer la cali pour fête là. Qui sont vous moun ça al fait? Moi même pense que monsieur dame nous dit que n'a diriger l'état. Nous dit comme ça que responsabilité a c'est sous compte nous que lié. Mais mes amis, ministre finance là, comment senti ou gen moun k'ap travay la kayou tou, ou gen fami ou gen zami ou k'ap travay. Premier ministre Ariel Henry, ou c'est premier ministre pays a, qui sont décidé faire avec moun sa ou qui gen 2 ans dans tout pays a. Et c'est nous que nommé yo, c'est signature qui en balet nomination. Pourquoi ça ne fait 2 ans nous pas jambe moun sa ou n'a gaspillé n'a cagoté l'argent l'état pendant ce temps moun sa ou même k'ap travail matin midi et soir surtout moun qui nan et logistique moun qui nan environnement yo moun n'a travail nous pas jambe touché yo est-ce que n'a quitté décembre ça passé vrai que nous pas jambe payer moun sa ou au niveau Sinapoa nous dénoncer comportement sa yo qui pas un comportement que moun a dirigé. Mes amis, il est pas capable encore. Moun yo pas capable encore parce que nous pas capable prendre moun yo qui pral gen 3 ans là à travailler pendant ce temps qu'il n'est pas 3 budgets là qui passé. Nous pas jamais payer moun yo. Police a gen 4 ans, gen 5 ans avec un grade. Dit pas qu'on jamais capable toucher le pas capable cap toucher ailleurs les salaires yo. Mais quel encouragement que nous baille policiers na casa comment fait on est agent 4 n'a touché chèque agent 2 toujours jusqu'à présent mes amis on pense que bah là il pas bon faut que nous payer employé civil yo mon et ça ne les personnel administratif yo faut nous payer policiers à irer gratuit qui est extrêmement important pour yo parce que l'état c'est pas la police qui a payé gratuit
c'est l'État haïtien à travers le ministère de l'économie et de la finance qui peut dégager pour payer les policiers et qui gagnent les grades. Il faut payer le personnel administratif, mes amis. Nous sommes là, moins pour nous. L'État n'est pas dirigé comme ça. Nous avons travaillé dans tout le pays. Qui ça nous veut faire? Nous exigeons pour nous venir travailler. Je vous dis là, mais nous, 19 décembre, jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais toucher. Qui ça a dit petit yo? Qui ça a dit madame yo? Qui ça a dit la caillou? Qui ça peut être un petit frère, un petit soeur qui te compte sur yo? Yo pral capable d'attendre de yo dans la fête fin d'année ça. Premier ministre Ariel Henry, nous t'en devons parler. Nous t'en devons parler. Ministre Finance, levez pied nous pour nous payer mon yo. Nous même au niveau Sénapoa, nous condamnons ça et nous dénonçons le. N'a demandé que pour autorité assumer responsabilité yo, pour payer moun sa yo, parce que moun a travaillé comme moi senti yo. Et m'pa croire que un ministre fait un mois pour pas gagne PDM ni pour pas gagne fiche gaz pour pas gagne tout avantage li nan mel parce que poste là tout ça gagne pour vinn pour li a li joine ni mais et moun sa ou que nous fin nommé qui va gagner 3 ans là ne pas toucher et papa petit noyé. D'accord, mais merci un peu Lazare et yon dans l'autre problème encore c'est au saut soulever là c'est arrière grade yon série de policiers qui yon même malgré grade yon changé mais yon pas jamais touché l'argent ça et yon plein en pile pour question ça et me songe ça pas gagne longtemps t'ai une annonce qui t'ai faite qui t'ai dit que yon t'a pral payer et arriéré yon à policier ça yon si m'pas trompé. Bon, moi même m'pense que dirigeant boy ici faut qu'on pas tellement prendre parole au sérieux parce que en pile fois ça a dit et c'est pas jamais ça qui dit vrai. Dans une déclaration directeur général de la police a te prend moi même si m'te lui-même pas t'a prend là-dedans parce que gouvernement annoncé que yo pral et payer et agent yo policier qui gagne ailleurs cadeau pour j'ai directeur a annoncé le. Pendant ce temps, pas jamais gagné qui fait vrai. Et si je ne me trompe pas, ça parle de 1 an et demi depuis que DG a annoncé ça. Mais c'est le gouvernement peut-être qui t'a pas lié espoir et qui t'a dit que mais ça a fait. Non, et garder pour le compte capable de permettre que l'agent soit satisfait de revendication. C'est bien dommage que DG t'a annoncé. DGT annoncé, mais le gouvernement n'a jamais fait suivi. Moi, je comprends que qui pourra ça gagner. L'on dit que le général de la police dit qu'on que oui, il n'y a pas le pays à Yerigadio. C'est parce que le gouvernement on garantit que yo a payé. Parce que je dis à la police, il n'y a pas de PM, il n'y a pas de ministre de la finance, là, mais il y a un directeur général de la police pas oué, qui te dit que il a payé à Yerigadio. Pendant ce temps, ça n'a pas jamais fait. Je pense que c'est directeur qui trouvait le jour et le jour là, dans un étau, dans un pétrin, parce que tout message policier a voué, c'est à l'encontre de lui-même que vous avez voué. Et nous-mêmes, au niveau Sénapoa, nous connaissons très bien un paquet de démarches qui fait beaucoup de direction générale de la police pour te garder que dans moi, ça là, pour te payer ailleurs. Comme ce n'est pas la direction générale de la police à qui a fait chèque à payer les gens, c'est le ministère de l'économie et de la finance qui a payé. Pas trop tard, là, hier soir, que je parle avec plusieurs responsables au niveau de la police, là, qui dit jusqu'à présent, il y a gourmet pour regarder que comment ça était capable de faire avant décembre fini. Mais nous attendons pour nous, parce que les policiers ont plein en pile sous question et arrière radio, mais c'est bien dommage que. Et nous connaissons que ce n'est pas responsable au niveau de la police qui a payé. C'est plutôt pression nous, au niveau de Sénapoa. C'est sous l'État pour nous faire. C'est sous le gouvernement pour nous faire. Pour être capable de dégager. Parce que vous mettez le directeur général de la police dans une situation qui est extrêmement
petit difficile par rapport avec dossier ailleurs que ça. Merci un peu Lionel Lazare. Merci Guerrier. Coordonnateur général si n'a pas retourné dans studio nous tout à l'heure n'a pas gagné pour nous parler avec docteur Laurent Bourget, secrétaire d'État à la population. N'a pas parlé à clé sous organisation 5e recensement général population à Kabita et en même temps question actualisation politique nationale population. N'a pas parlé avec lui tout à l'heure, mais bien avant, ben nous recevoir dans studio nous docteur Pierre-Jacques Joseph, médecin radiologue qui est passé là matin pour parler nous de importance dépistage cancer nan tété. Docteur, bonjour. Bonjour guerrier et bonjour technicien au cap assuré manœuvre technique et puis surtout équipe réalisation qui a fait visage nous sur réseau. Nous profitons du moment ça tout pour saluer et guerrier Johnny côté lui à côté nous de ce matin. Johnny nous connaît qui est un homme ça son qui a courage pour lui bataille et surtout dénoncer fait travailler comme journaliste. Johnny courage pour toi Afrem et nous souhaitons qu'on retourne le plus vite possible pour venir continuer et faire travail et bail population service côté commencé. Et n'a salué tout et PDG Patrick Moussignac et qui va suspendre la bonne chaque fois que nous besoin et qui mettait groupe bouton ton radio ça au service de population DG et respect et puis tout staff radio télévision Caraïbes Blanc et surtout mes collègues de Micro Santé qui nous parlent longtemps. Oui, on parle longtemps. Donc monsieur qui font se camper hein puisque l'émission a pour reprendre. Donc on passait la matin parce que nous t'ai souhaité parler de importance dépistage cancer dans tété. C'est nous quand ils sont cancer dans tété le très fréquent non? Mon cher moment chaque fois nous j'ai une occasion pour nous sensibiliser et population sur question maladie et particulièrement cancer qui c'est un véritable fléau qui a ravagé le monde et surtout cancer dans tété. Cancer dans tété que OMS Organisation Mondiale de la Santé et relate que c'est cancer que nous plus rencontrer. Et c'est cancer tout qui tue mesdames au plus. Et parmi tout cancer que mesdames nous connaissent, c'est cancer qui vient en premier comme cancer qui tue mesdames. Ok. Alors, et il passe en conséquence sous mesdames haïtiennes nous. Et nous connaissons dans quelle situation que pays en lui-même lié. Nous-mêmes, nous avons devoir ça à chaque fois pour nous toucher les oreilles et rappeler yo que qui ça cancer et qui ça doit faire chaque fois. Et que vous êtes dans une situation qui t'a semblé avec cancer. Et pour rappel, nous disons que cancer dans la tête, c'est une multiplication anormale et de manière incontrôlée. Et que cellules entreprennent qui viennent constituer une véritable boule dans la tête. Et boule, ça, à mesure que les cellules ont multiplié, boule, ça grandit, elle vient de tendance pour les. Envahir zone côté le trouver dans tété. Eh bien boule ça il capable développer et vinn faire peau côté le trouver là vinn red tant qu'yo pose orange fait le vinn rouge et puis il vinn paraître cloué en bas pour. Eh bien qui ça le gagne comme caractéristique encore il ca fait même pour ça côté le trouver là vinn chaud et puis enfler toute zone côté le trouver dans tété. Il est capable de changer de couleur point TT1, aspect point TT1 qui vient rétracter et surtout faire que liquide avec le sang a coulé en dedans dans point TT1. Et si cancer ça n'est pas traité à temps, si pas font prise en charge appropriée à lui-même, il peut arriver compliqué comment? Il va commencer à voir les cellules, les métastases, à distance de côté lié, à atteindre l'autre organe qui est dans le corps. Et dans la phase, ça, vous pouvez arriver dans la phase de complication. Et ces phases, ça ne pas arriver là-dedans, puisque le traitement va devenir plus difficile. Et le risque pour arriver à tuer les gens est imminent, c'est-à-dire qu'il devient pire. Qui donc, il devient important qu'on ait pour nous connaître. Qui est parmi mesdames qui est plus exposé à développer cancer du sein? Parce que c'est là, yon moun supposé qu'on tête li et ouais dans qui catégorie li même li trouvel pour connaître qui ça que lui fait au plus vite possible. Puisque nous a fait cancer tété,
a fait cancer en général, c'est pi bonheur, c'est grand matin, j'ai grand monde capable de dire. Je trouve que monde qui gagne plus que 50 l'année, pour la grande majorité, mesdames qui gagne plus que 50 l'année, c'est eux-mêmes qui capable de développer cancer plus. Mais yo dit très rare pour monde qui est trentaine et li est un petit cas exceptionnel pour monde qui gagne moins que 20 l'année. Mais par contre, yon fille qui te gagne maman qui grand ni yon seul qui a développé cancer du sein, faut lever tête li puisque risque pour développer là là. Et risque ça qui a multiplié par deux chaque fois qu'il y a deux monde dans cratère familial ça qui t'a capable atteindre par cancer du sein par exemple, t'a capable gagne grand ni te gagne, vinn jeune maman qui gagne. Ou bien maman gagne tout de suite il gon seul qui gagne. C'est-à-dire risque pour lui même de développer là, ou capable multiplier par deux. Et puis fitou qui gen maman qui a développé cancer du sein avant même qu'elle t'est arrivé en ménopause. Il gon risque accru pour développer cancer du sein malgré son malgré qu'il t'a capable très jeune. Malgré qu'il t'a capable très jeune, il gen risque pour développer cancer du sein. Et puis gen question habitude yo. Fi prend habitude fumer et puis boire d'afia. Mon ka fumer ka boire d'afia quel que soit l'âge li, il y a un risque accru pour développer cancer du sein. Et mesdames yo qui banque activité, qui s'entre dans sédentarité, qui a développé obésité et surtout dans catégorie ça, ta capable gagner plus que 50 années, risque pour développer cancer du sein li même li très élevé. Et puis yon fi qui ta capable rentrer en ménopause avant même qui t'a rentré dans ménopause tôt et qui je dirais rentre en puberté je dirais tôt et que t'a arrivé dans ménopause très tard, c'est-à-dire qu'il y a une longue période d'exposition à un ensemble d'hormones circulant qui en général à l'origine ou bien qui c'est des hormones qui promouvoir cancer du sein. Voilà, c'est ensemble de monde ça en général qui et à risque pour développer cancer du sein. Mais qu'on y a là, li pral important pour on fi ka vive pour connait clairement dans qui catégorie moun sa ou qu'elle trouve et pour chercher et ouais soit mon médecin qui vous prend en charge mais chercher et l'hôpital qui approprié à prise en charge cancer du sein. En général, c'est un gynécologue, c'est un chirurgien quoi en premier et li pral dépend de ça que diagnostiquer pour nous bien à qui phase que les puis faire un oncologue bien ouais après. Mais en général les supposés contrôle d'abord qui est capacité pour rentrer dans ça ou les auto palpation apprendre qu'on était le bien apprendre palper était pour chercher boule là dedans et qu'on est lorsque t'étais commencé changer aspect, c'est-à-dire face où t'étais au mois deux mois avant où elle commence à changer forme ou bien t'as gagné un signe qui semble à ça que nous sommes relatés là yo. Ou supposé commencer dit tout à ou son monde qui a risque faut mal chercher mettre comme dehors pour connaître qui ça que me doit faire peut-être moi en réalité c'est ça. Mais qu'on y a nous mêmes comme médecins nous gagne devoir chaque fois pour nous non seulement sensibiliser mon yo sur ça et chaque fois occasion permettre nous je dis à nous dit nous capable dit nous dans période de fin d'année, c'est période de Noël, période partage, solidarité et nous même dans Optimum Clinique ça nous essayer faire, c'est ça que nous cabaille comme cadeau. Puisque monde bail ça qu'on gagne, nous même comme médecin nous offrir santé, nous offrir soin. Et peut-être ça, premier ça que nous fait nous mobiliser au maximum et personnel médical nous et personnel de soutien. Et puis organiser des séances de dépistage pendant deux week-ends qui viennent là, c'est week-end 23 et 24 décembre, qui c'est samedi dimanche, et puis samedi dimanche 30 et 31 décembre, pour nous permettre que Mounio vienne participer et yon nabaye que nous fait, pour nous capables de faire un cadeau que nous ferons à Mounio en dépit de mobilisation du personnel là que nous fait et organiser ça, c'est réduire au maximum prix ou bien coût service Mounio. Pour nous permettre au maximum de monde capable de bénéficier de genre de campagne ça puisque nous connaissons ces deux campagnes qui sont très importantes et qui sont capables de rentrer dans le support et accompagnement monde qui est plus vulnérable. Voilà, c'est ça en gros. Et guerrier du sol, nous pensons que nous devons faire avec nous matin. Nous rappeler que le cancer du sein, c'est un véritable fléau qui
qui menace vie et ceci c'est un véritable tueur à bas bruit. En pile fois, c'est lorsque il arrive dans un stade de complication ou qu'arriver qu'on elle. Mais meilleure façon pour éviter qu'on arrive dans phase de complication, c'est anticiper, c'est prévention. Et prévention, il passe par ça relé dépistage. Et dépistage là, il est capable personnel, il est capable organiser personnel d'abord apprendre qu'on tait tout. Apprendre qu'on croit, apprendre qu'on tétou, apprendre faire palpation, apprendre comprendre qui j'ai tétou dû présenter et s'il y a des signes qui apparaissent sous tétou pour chercher anticiper et courir à l'ouest médecin. Voilà pourquoi nous-mêmes dans Optimum Clinique, Delma 40 numéro 76 bis, nous entreprenons ça. Nous sommes sous deux points et nous faisons en mai, mais nous disons pas qu'à fermer. Ani ça là pour nous pas offrir mon yon l'autre campagne de dépistage et qui très accessible pour yo. Optimum Clinique nous trouvons Delma 60 Delma 40A en numéro 76 bis comme nous toujours ba numéro téléphone yo qui c'est 36 66 00 57 il y a WhatsApp ou capable écrire ou capable reler comme ça tout fait 46 30 31 22 qui gagne WhatsApp tout ou capable écrire ou capable reler tout sur 43 63 43 85 comme toujours nous gagne page Facebook nous yo qui c'est Optimum Clinique clinique et en créole page Instagram nous et Twitter ou capable toujours visiter yo et puis tout ça capable gagne comme information qui concerne santé ou toujours capable venir et partager n'a partager ensemble avec ou capable toujours poser question n'a là pour nous répondre voilà mission nous c'est et accompagner moun yo dans maladie yo n'a toujours là pour yo nous n'a pays nous pas courir oui nous pas courir donc rendez-vous c'est weekend oui deux weekend c'est 23 24 décembre qui vient là qui c'est samedi et dimanche et puis et 30 et 31 décembre qui c'est l'autre weekend après dit n'a sous cet été à sous cet été qui a plus aidé ou éviter cancer du sein que les causer cancer du sein. Oui, oui. C'est l'inverse. Oh, ça veut dire c'est scientifique. Si bien que, oui, c'est scientifique, si bien que il révélait que mesdames yo qui pas arrivé faire ti moun ou bien sacrifié faire ti moun qui pas ba ti moun tété, yo plus à risque pour développer cancer du sein. Okay. Parce que dans moment que ti moun a tété, gagné yon hormone yo les prolactine qui en circulation qui gagne tendance annuler effet l'autre hormone qui assez souvent à la base de production cancer du sein. C'est-à-dire c'est tout inverse. Continuez faire évitation. Alors je ne dis guerrier n'attend et tout le monde et dans Optimum Clinique Delma 40A numéro 76 bis pour monde qui connaît Delma l'autre côté Delma c'est pour quitter bureau EDH là. Premier rentre qui est sous mes doigts tout. C'est lui même qui Delma 40. Une fois qu'on rentre là, on pas faire pièce de tout. On va jouer un enseigne qui marque Optimum Clinique, le nous diagnostic center à son main gauche dans numéro 76 bis, on monter à l'étage et là nous dans Optimum Clinique. On capable briller sur 36 66 00 57 46 30 31 22 et puis 43 63 43 85. Ouais. Encore une fois, petit coup de joie et Noël quand même. Oui. Et résultat de 2024, malgré situation sociopolitique pays très difficile et bah il a vu une pile mal de jour en jour, mais il faut garder l'espoir. D'accord. Et parce que j'aime le grand monde qu'on dit. Espoir fait vivre. Merci un peu, le docteur Pierre-Jacques Joseph, médecin radiologue, qui t'a parlé nous sur l'importance dépistage cancer dans TT et également parler nous de activité ça y a pas fait pour permettre que mon yo capable